me voilà dans ma chambre, donc c'est parti pour la rénovation. Comme vous voyez, c'est le gros bazar. Clairement, je ne me suis pas amusée à faire le lit, etc. Ça fait un petit moment, puisque les rangements, je vous avais déjà dit, le dressing, je déteste, je trouve que c'est pas pratique pour ranger. Du coup, il y a plein de choses qui s'accumulent, et vu que je savais que j'allais faire ma chambre, j'avais la flemme de faire. Je sais pas si ça vous arrive aussi, quand vous savez que vous allez faire quelque chose, bah vous avez pas envie d'entretenir, entre guillemets, alors que vous savez que dans les prochains jours, vous allez tout enlever et tout refaire. Donc voilà, c'est le bazar, c'est pas beau du tout, c'est limite la honte, mais c'est pas grave, c'est la vraie vie, c'est comme ça. J'ai laissé trop de choses s'accumuler et j'ai trop hâte de faire cette chambre. Donc c'est parti, je vais commencer par tout vider et on va faire la peinture en premier. Et ensuite on mettra le lit, enfin on fera tout le reste. C'est parti, let's go. Du coup voilà le mur avant, il était tout gris et vous allez voir que la peinture que j'ai choisie est exactement le même gris. Vous allez rigoler. J'ai peint tout le mur parce que j'étais persuadée que le gris que j'avais pris était un chouïa plus clair. Du coup je m'étais dit j'ai pas envie que ça fasse une démarcation, mais en fait c'est exactement le même. Donc on va dire que j'ai un petit peu travaillé pour rien, mais bon c'est pas grave. Donc on va commencer par la peinture. Comme je vous ai dit, je vais tout peindre en blanc pour que ce soit uniforme. J'enlève du coup les petits caches qu'il y a sur les prises, sur le petit interrupteur. Et je vais passer ma peinture. C'est une peinture blanche toute simple qui vient de chez Action. J'ai payé l'énorme pot de je sais plus combien de litres, mais je pense qu'il y en a au moins 20 ou 10. Non, je pense que c'est 10 litres, à peine 10 euros, donc ça valait vachement le coup. Voilà ce que ça donne une fois fini. Avec la lumière du jour, ça a l'air plus foncé puisqu'il y avait une couleur foncée derrière. Ensuite, je vais prendre mon scotch à peinture, je vais prendre un niveau à bulle et je vais vérifier que ce soit bien droit. Et en fait, je vais le mettre tout le long de la chambre parce que vous allez voir que tous les murs, je vais faire en haut gris et en bas blanc. Et ensuite, on va faire la peinture. Donc, je ne vous ai pas filmé la peinture grise puisqu'en fait, c'est Walid qui l'a faite. Voilà pour la peinture, c'est en train de sécher, c'est pour ça qu'il y a des endroits qui sont un peu plus clairs d'autres. Je vais attendre que ça sèche bien et je vais voir ce qu'il en est, s'il faut remettre un petit coup. Il y a des endroits en fait du mur qui sont abîmés comme là, vous voyez des trous et il y a des bandes blanches, je sais pas ce que c'est. Je vais voir, on va remettre un peu de peinture. En bas c'est normal que ce soit pas joli, c'est parce qu'il y a le scotch. On va l'enlever et dans tous les cas il va y avoir des baguettes. Mais voilà, il faut attendre en fait que ça sèche complètement pour pouvoir mettre un dernier coup et voir ce qu'il en est. Pour l'instant ça allait pas, il y a des endroits plus clairs comme là-bas ou là, mais en fait c'est des retouches peinture, donc voilà, faut attendre, là ça sèche et ensuite je mettrai la baguette et je ferai les retouches. Et comme je vous ai dit, je vais poser du coup des baguettes en forme de moulure pour faire la démarcation en fait du gris et du blanc. Donc pour commencer, je vais enlever le scotch et comme vous voyez, bah du coup, c'est tout droit. Pour les baguettes, je les ai prises chez Leroy Merlin. Elles sont en polystyrène, c'est vraiment le plus simple. N'utilisez pas du bois, enfin à moins que vous voulez vraiment que ce soit du bois. Mais en polystyrène, c'est vraiment le top parce que du coup, c'est beaucoup plus léger et plus facile à mettre. Et ma petite astuce pour éviter de galérer avec la colle à moulure, l'erreur que j'ai faite quand j'ai fait les moulures dans la chambre d'Aiden, c'est vraiment en fait de prendre du scotch double face. Donc là, celui-là, il vient de chez Action, c'est celui en fait qu'on met en dessous des tapis. Je vais le mettre du coup sur ma petite baguette, je vais enlever l'autre face et en fait il était un peu plus large que ma baguette, donc du coup je replie un petit bord sur le côté, c'est pas bien grave, de toute façon ça change rien. Et ensuite vous aurez juste à placer votre moulure sur le mur, que ce soit celle du plafond ou celle du mur, et vous allez voir que ça tient super bien. Dans la chambre d'Aiden, c'est ce que j'ai fait sur l'autre côté du mur et ça fait maintenant presque un an en fait que sa chambre est faite et ça n'a pas bougé. Ensuite, je vais peindre mes plinthes du bas en blanc. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux dans la chambre plutôt que d'avoir en fait une plinthe en carrelage. Je trouve ça vraiment pas joli. Après, ça, c'est chacun ses goûts. Mais je trouve ça vraiment plus joli quand la plinthe est blanche. Donc, je vais peindre toutes les plinthes. Et voilà ce que ça donne. La lumière n'était pas top puisqu'il faisait sombre.
mais au moins ça vous donne un aperçu. Ensuite on a enlevé le lit et Walid a monté le lit qu'on a acheté, je vous mettrai tout en barre d'infos. On a rajouté notre matelas et voilà ce que ça donne avec le bazar qui est resté. Donc cette vidéo je l'ai fait vraiment sur plusieurs jours, c'est pour ça que vous allez me voir avec plusieurs tenues différentes, que je fais les choses petit à petit, mais je préférais vraiment le faire naturel en fait et ne pas mentir, ne pas remettre les mêmes tenues, pas vous faire croire que j'ai fait ça en une journée, ce qui est absolument pas le cas. Je l'ai fait sur à peu près 2 semaines, puisqu'il faut savoir que c'est aussi notre chambre à coucher, donc bah du coup on dort dedans, donc faut que ce soit un minimum rangé, donc après il faut déranger, faut enlever ce qu'il y avait. Bref, c'est très long. Donc ensuite, j'ai posé mes décorations. Ça, je vous en ai parlé dans une vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i. Comme ça, vous aurez toutes les références. Finalement, je n'ai pas mis les rideaux que je vous avais montrés parce qu'ils étaient trop petits. En fait, ils étaient courts. J'avais même pas fait attention. Ils faisaient 1m20, donc ils arrivaient pile poil au niveau de la fenêtre et c'est pas ce qu'il me fallait. Du coup, j'ai pris ceux-là qui viennent également de chez Centracor. Ils sont gris, anthracite et super occultants. Et donc, du coup, je vais les mettre sur la tringle que je vous avais présentée. Ensuite, je vais la mettre au mur. Pour la commode, je vous mettrai tout pareil en barre d'infos. Ce ne sont pas les boutons d'origine, je les ai pris sur AliExpress, pareil, ça sera en barre d'infos. Mais sachez juste que vraiment, ça a été une galère à monter. Walid l'a monté tout seul, il s'est cassé le dos et il m'a dit que vraiment, il n'a jamais vu un meuble aussi compliqué à monter. Donc elle est très très belle, mais je vous préviens juste à l'avance, elle est un peu compliquée à monter. Moi, je me suis occupée de la tête de lit. Donc ça, c'est un DIY que j'ai vu sur Instagram. Je crois que c'est Home Deco by K, un truc comme ça. Donc du coup, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris des planches chez Leroy Merlin qui font chacune 60 cm de large. Je les ai faites couper à 1m30, mais après ça, vous faites comme vous voulez selon la hauteur de la tête de lit que vous souhaitez. Et comme j'ai un lit en 180, pardon, et ben du coup, je les ai toutes alignées, ça fait 180. Je vais faire des trous dans chacune des planches pour pouvoir les lier entre elles avec un petit L. Alors je vous conseille pas du tout de mettre des petits L comme ça. De base j'avais pris une grosse plaque en fer, enfin plusieurs grosses plaques en fer, sauf que impossible de les retrouver au moment du DIY. Donc je suis partie vite à Action récupérer ça. Donc je me suis dit que ça ferait l'affaire, mais sincèrement ne mettez pas des petits L aussi petits. Il vaut mieux miser sur vraiment des plaques qu'on peut trouver à Leroy Merlin. Ensuite, pour faire la tête de lit, on va avoir besoin de mousse. Donc moi, j'étais en mode récup puisque la mousse, ça coûte quand même assez cher. J'avais fait faire des devis, on avait pour 150 €, ce qui est quand même pas donné. Donc j'ai préféré réutiliser la mousse en fait de mon ancien matelas. Le seul problème, c'est qu'elle est un peu côtelée, donc ça va pas faire super net. Mais sincèrement, ça me permet d'économiser 150 € et surtout de utiliser ce matelas. Parce qu'en soi, sinon j'allais le jeter, donc c'était bête. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé aux dimensions. J'ai pris ce couteau qui est à la base pour couper les moulures et franchement ça coupe trop bien. On dirait pas comme ça, on dirait que je galère un peu, mais c'est parce qu'en fait c'est large et c'est compliqué de soulever le bout de mousse, mais sinon ça se coupe comme dans du beurre, c'est franchement super facile. Et pareil pour le dessous de la mousse, je vais la couper parce qu'il faut savoir qu'une tête de lit après c'est comme vous voulez, mais normalement surtout quand elle est épaisse comme ça, il faut qu'elle soit juste au-dessus en fait du matelas avec le sommier. Donc on va pas faire une tête de lit qui va jusqu'au plafond. Après ça, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais moi c'était pas ce que je voulais. Donc du coup j'ai coupé et vous allez voir juste après, j'ai mesuré en fait la hauteur entre le sol et le matelas, ça faisait 50 cm et c'est du coup l'espace que je vais laisser où il n'y aura rien et en fait le lit va s'emboîter, on va dire, dans la tête de lit.
Ensuite, j'ai décidé de faire une tête de lit un peu style coquillage, vous allez voir après, donc avec simplement des traits. C'était le plus simple à faire et franchement, ça donne un côté frais. On en voit un peu de partout, mais pas encore trop. C'est pas comme le capitonné. Mais après, le capitonné, c'est encore plus compliqué à faire. Faut vraiment faire des mesures et tout. Enfin bon, bref. Donc, du coup, pour faire cette tête de lit un peu style coquillage, il vous suffit juste en fait de prendre un cutter et de couper dans la mousse. Donc, moi, j'ai bien mesuré pour avoir des pans en fait qui font à peu près la même taille. Il y en a deux, trois qui sont pas pareils parce que vu que vous voyez mon matelas était côtelé et il y a des endroits où c'était tout lisse, donc forcément j'ai pas pu avoir les mesures exactes, mais voilà, c'est pas choquant quand on le voit. Donc comme je vous disais, on va entailler la mousse pour pouvoir y faire passer par la suite le tissu. Et ensuite, on a juste à prendre notre tissu, bien ouvrir l'entaille et le passer dedans. Donc après, vous mettez vos doigts en fait et vous faites passer. Vous allez voir qu'en fait, le tissu reste dans la mousse et ça donne cet effet de trait en fait qui fait un petit peu coquillage. Pour le tissu, je l'ai pris dans une simple mercerie, mais c'est de la suédine un petit peu argentée. Après, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Ce que j'aime bien dans le fait de faire sa tête de lit soi-même, c'est que déjà, ça nous revient moins cher. On peut faire les dimensions qu'on veut. Et surtout, comme vous le voyez, ce n'est pas collé. En fait, c'est juste entaillé dans la mousse, mais quand même assez profondément pour pas que ça bouge. Mais vous pouvez totalement tirer dessus et l'enlever et changer de couleur au gré de vos envies. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé la mousse sur le dessus de la planche pour laisser, comme je vous ai dit, l'espace pour poser le lit. Et ensuite, je vais tout faire au scotch double face. Pour la mousse, j'ai mis du scotch double face, mais ça tient, comment dire, ça se voit que c'est du bricolage, ça tient pas de fou. Donc je pense rajouter de la colle, soit spéciale textile, soit de la colle chaude ou de la colle forte, comme de la colle néoprène. Je verrai, je vous redirai sur le long terme. Mais en tout cas, avec le scotch double face de chez Action, on va dire que ça tient. Voilà, comme je vous ai dit, c'est du bricolage, ça va pas vous tomber dessus, mais pour que ça maintienne mieux, il vaut mieux mettre de la colle. Et du coup, voilà le lit sans la tête de lit. Et ensuite, Walid m'a aidé à poser la tête de lit. Il faut savoir que c'est quand même assez lourd grâce aux planches de bois. Donc, c'est pas nul. Enfin, ça va pas vous tomber dessus. Ça va pas se casser ou quoi. Et comme vous le voyez, le lit s'emboîte en fait juste en dessous. Ce qui permet d'avoir une tête de lit quand même assez haute. Et ce qui est bien, comme je vous disais, quand vous le faites vous-même, c'est que vous pouvez décider de faire une très haute tête de lit ou une beaucoup plus basse. Ensuite, je vais disposer des tapis, donc c'est ceux que je vous avais montré dans mon hall. Finalement, c'est un truc de fou, la chambre est beaucoup plus grande que ce que je pensais. On l'avait mal agencé, le gros dressing et tout, enfin, et encore, c'est pas un énorme dressing, mais comme il était fait, on avait vraiment l'impression d'avoir une minuscule chambre. Donc j'avais pris que 4 tapis en me disant que ça allait le faire, mais finalement j'avais plus de place, donc je suis allée en racheter. Sachez qu'ils sont toujours en promotion. Je sais pas si c'est une vraie promo parce que je me dis depuis le temps quand même, c'est un peu bizarre que ce soit toujours autant en promotion. Des fois c'est des fausses promotions pour faire de l'appel à la vente. En tout cas, le très grand, je vous remettrai les dimensions à l'écrit, fait 50 € et les plus petits, ceux que j'ai pris, sont à 25 €.
petit bon plan, j'ai trouvé ces housses de coussin qui sont magnifiques, qui ressemblent énormément à celles de chez H&M. Je les ai prises chez Primark pour 6 €. Elles sont juste plus petites et à l'arrière, du coup, vous n'avez rien. Tandis que sur celles d'H&M, vous avez vraiment le motif de partout. Il y en a beaucoup qui me demandent quel Primark est ouvert. Alors, je ne sais pas pour les autres. En tout cas, moi, je vais à celui de Toulouse et il est encore ouvert. Du coup, je suis en pleine peinture de ce côté-là de la chambre. Là-bas, il y a la porte en fait. Là, tout ici, avant, il y avait mon dressing et maintenant, il va y avoir une commode. Là, c'est le côté. Vous avez du coup la fenêtre et là-bas, c'est le reste du coup de la chambre. C'est Walid qui avait fait le gris de l'autre côté. Moi, je l'ai fait là. Donc voilà, j'ai mis du scotch et ensuite, je vais mettre les moulures et je vais mettre les moulures au plafond. Là, il faut que je mette un petit coup de blanc parce que j'ai dépassé. Mais après, si c'est pas super clean, c'est pas grave puisqu'il va y avoir les moulures, donc c'est pas trop grave. Mais voilà, ça avance doucement, mais sûrement, on va dire. Voilà ce que ça donne. Il y a des traces parce qu'en fait, c'est là où j'ai passé une deuxième couche parce que c'était un peu transparent. Là, il va falloir que je nettoie les traces. Je suis désolée, ça fait un mauvais focus, faut pas que je mette mon doigt. Je disais, je vais nettoyer les traces avec une gomme magique, une éponge magique. Et là, je vais mettre tout mon scotch pour pouvoir peindre en fait en blanc la plinthe. Je vais vous montrer, c'est le gros bordel, désolée. Pour que la plinthe soit en blanche comme là. Je trouve que ça fait vraiment plus joli d'avoir en fait le mur qui fait, comment dire, désolée pour le chien derrière. Je disais, je préfère que le mur fasse une continuité comme ça avec la plinthe en blanc. Je trouve ça beaucoup plus joli plutôt que d'avoir les plinthes comme le carrelage. Donc après, ça c'est une question de goût. Moi, je préfère largement que ce soit blanc, que ça fasse une continuité du mur. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre parce que là, quand vous regardez comme ça, donc en plus moi j'ai fait deux couleurs, mais voilà, ça fait vraiment... C'est pas joli d'avoir une plinthe comme le carrelage, je préfère largement la peindre, pardon, et que ça soit une continuité. En plus, vu que je vais mettre un tapis sur tout le sol, ces tapis là que je vous avais montré, ça sera beaucoup plus joli qu'il y ait la plinthe en fait en blanc comme ça, même si c'est pas le même blanc. Là c'est plus du beige, mais ça fera beaucoup plus propre en fait. De toute façon, vous verrez à la fin, mais voilà pour ma petite astuce. Donc maintenant je vais aller peindre les plinthes. Ensuite j'ai peint mes fameux miroirs en blanc du coup, puisque rose ça n'allait pas aller dans la chambre. Et je vais vous montrer une petite astuce pour poser vos miroirs simplement. Donc vous allez prendre n'importe quel objet qui va vous aider à mesurer et qui soit assez long. Là j'ai pris un tube de papier cadeau. Je mets aux deux extrémités là où il va falloir que je pose mes clous. Je fais une petite marque pour bien me rappeler. Et en fait ça va être tout simple, vous le mettez sur le mur. Vous prenez votre niveau à bulle pour bien vérifier que c'est bien droit. Et en fait vous allez juste faire vos petites marques et ensuite mettre vos clous. Donc ça c'est une astuce que j'avais vue je crois sur TikTok. Et ça vous évite de galérer. Sinon il y a l'astuce que je vous avais déjà montré, c'était de mettre un petit peu de rouge à lèvres derrière, plaqué sur le mur, et vous allez avoir les deux traces. Mais par rapport au fait que ce soit droit, ça va être compliqué. Donc vraiment cette astuce c'est beaucoup plus simple. Et comme vous le voyez, juste à faire mes petites traces, comme je vous ai dit, mettre les deux clous et c'est réglé. Ensuite on va passer au montage du lustre. Donc pour mettre ce lustre il va falloir changer. Vous voyez, moi j'avais qu'une seule ampoule qui était nue comme ça avec simplement les fils, donc il va falloir tout changer. J'ai pris un embout spécial, je sais pas du tout comment ça s'appelle, je l'ai pris chez Leroy Merlin pour à peine 4 €. Donc là ce qu'on va commencer à faire c'est prendre les fils et les rentrer dans l'espèce de petite gaine qui est donnée du coup avec... je sais même pas comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire. Ça là, ce truc blanc avec le fil qui nous permet du coup de mettre des lampadaires. On va enlever sur les deux fils qu'ils nous ont mis, donc le marron et le bleu. Je ne sais pas lequel correspond à quoi, en tout cas c'est pour la lumière. On va enlever les deux petits fils. À l'intérieur vous allez avoir un boîtier et là c'est super simple. Vous avez juste à dévisser, à passer un fil, donc ceux qui sont dans le luminaire qu'ils vous ont donné. Donc le bleu d'un côté
et le marron de l'autre. Le côté n'a pas d'importance. Ce qui va être important, c'est de mettre de l'autre côté quand vous allez brancher en fait au plafond, que ce soit bien le bleu avec le bleu et le marron avec le marron. Bref, une fois que vous avez passé un côté des fils, vous avez simplement à revisser avec un tout petit tournevis. Ça va bien tenir en place les fils. Et en fait, vous voyez, dans ce boîtier, c'est là où en fait l'électricité va passer. Donc en fait, ça sert simplement à joindre les deux fils ensemble. Donc les fils que vous avez achetés pour après mettre votre lustre et puis l'électricité qui est directement dans le plafond. C'est pas compliqué du tout, mais il faut juste savoir la base, qui est de mettre le bleu avec le bleu, le marron avec le marron, le rouge avec le rouge, admettons, ou le jaune, enfin peu importe. Il faut surtout pas mélanger les fils, c'est juste ça qu'il faut savoir, et après c'est super facile. Et voilà ce que ça donne au plafond directement. Ensuite, on va mettre la bouche blanche sur le plafond. Le test véridique, on rallume le courant. J'ai oublié de dire, il va falloir couper le courant au niveau de votre compteur. Ça, c'est ultra important hein, quand vous manipulez les fils. Ne le faites pas comme ça, même en ayant éteint juste l'interrupteur, ça ne marche pas. Il faut vraiment aller jusqu'au compteur. On ne sait jamais, il peut y avoir des risques super graves. Ensuite, j'ai mis mon lustre. Donc, il était super lourd. Donc, ça a enlevé l'espèce de bouche là, blanche qui ne collait plus du coup au plafond. Donc ça, je laisserai Walid faire. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça, c'est pas grave. On verra comment on la fixe pour que ça soit plus joli, mais en tout cas le lustre est bien mis, il marche, et voilà ce que ça donne pour la chambre terminée. Je suis trop contente, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Je suis même agréablement surprise sur le fait qu'il y ait quand même plus d'espace que ce que je pensais. Je pensais vraiment que la commode allait être presque collée en fait au lit, qu'on aurait à peine la place de passer, et pareil sur les côtés, mais en fait non. Donc je suis trop contente, j'ai trouvé ces petits boutons sur AliExpress. Normalement je devais pas prendre ceux-là parce que j'avais pas prévu de prendre cette commode là, j'avais prévu d'en prendre une de Ikea. En tout cas celle-ci est très belle et les boutons ils sont juste magnifiques. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos toutes les références, si jamais j'en oublie n'hésitez pas à me demander en commentaire, je remettrai. Mais du coup voilà ce que ça donne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi j'aime trop. Il suffira juste que je mette des petites affiches dans les cadres parce que j'ai pas encore trouvé. Si jamais vous en avez des belles à me recommander, n'hésitez pas aussi. Mais en tout cas voilà, je suis trop contente de notre chambre. Elle est simple, elle est grise, elle est blanche, elle est neutre, elle est vraiment tout ce qu'on aime, autant Walid que moi, et surtout elle fait beaucoup plus propre et beaucoup plus spacieuse. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.